Donc, on vient de terminer l'augmentation de capital de 300 millions d'euros pour Parrot. Parrot est une entreprise de technologie, une entreprise de croissance. Et la croissance, ça se fait avec des bonnes idées, avec des ingénieurs, mais aussi avec des capitaux. Et donc, l'entreprise est passée par tous les stades du capital risque, de l'introduction en bourse. Mais maintenant, le format de l'entreprise, les métiers auxquels on s'adresse sont beaucoup plus importants et on a réalisé cette augmentation de capital qui est destinée à faire de la croissance organique, à faire augmenter l'écosystème Parrot et aussi à continuer une politique d'acquisition qui a été un des grands succès des dernières années dans les métiers et les produits des drones à usage grand public et à usage professionnel. Donc l'opération a été un succès pour deux raisons. D'une part, les investisseurs historiques ont largement suivi l'augmentation de capital et des nouveaux investisseurs, la BPI, des fonds chinois, ont aussi participé à l'opération et ont permis à Parrot de passer dans la catégorie suivante d'entreprise de taille plus importante à la conquête d'un marché mondial. La technologie, c'est à la fois un métier global. Nous concevons des produits que nous vendons sur tous les marchés, mais aussi un agissement local. Parrot est une entreprise de technologie qui s'est développée à Paris avec les fonds d'investissement capital risque à Paris, qui est entré à la bourse à Paris. Et ça nous a semblé tout naturel d'avoir comme relais de croissance de notre capital la place de Paris. Et ça a été un succès, je crois, un succès inattendu. Je veux dire dans le sens où c'est une nouveauté de pouvoir accéder à du capital pour les boîtes de technologie avec ces tels volumes de capital. Et j'espère que ça fera école. Nous sommes très heureux de célébrer aujourd'hui le succès de l'augmentation de capital réalisée par Parrot. Cette opération de 300 millions d'euros est la plus importante réalisée depuis de nombreuses années par une entreprise tech sur nos marchés. Parrot, qui est l'un des leaders de nos sociétés technologiques très innovantes, cotées sur nos marchés depuis 2006, a su attirer avec cette opération de nombreux investisseurs, notamment une très grande proportion d'investisseurs internationaux venant de l'ensemble de la planète. Cette opération va permettre ainsi à Parrot d'accélérer son développement commercial, mais aussi sans doute d'être plus actif dans le monde des fusions-acquisitions pour renforcer son leadership sur un certain nombre de secteurs d'activité. Je voudrais également souligner le signal très positif qu'envoie finalement cette opération à l'écosystème financier européen et à la communauté des entreprises tech. Il est possible de lever 300 millions en Europe grâce au marché des financiers pour financer, pour supporter le développement et la croissance des entreprises. Le secteur tech croît de façon très significative aujourd'hui en Europe et les initiatives que Internext a lancées depuis 18 mois contribuent aussi au développement de ce secteur et ont pour objectif de faire qu'Euronext devienne vraiment la plateforme de référence pour les entreprises tech innovantes en Europe. Félicitations à Parrot pour cette très très belle opération.